Bonjour à tous, c'est la suite d'Oddworld l'Exode Babe où j'ai eu en fait un petit problème dans la dans ma save state, ce qui fait que j'ai dû recommencer cette vidéo. Et bon, quoi, c'est que quand j'ai sauvegardé, j'étais en bas au lieu d'en haut. Bon, c'est pas encore trop grave. Full save. Donc, aïe. C'est l'une des dernières vidéos, malheureusement, où j'ai décidé d'y aller à fond au niveau de la voix et tout. Donc, si je gueule, bah, c'est punaise parce que j'aurais gueulé ou quoi. Donc, oui, c'est la fête, hein. C'est la fin d'Oddworld, donc on va un peu se lâcher. Ouais, bon. Comment qu'on fait? Vite! Oh putain, je suis foutu. Je suis foutu! Qu'est-ce que c'est encore que cette zone foireuse? Youpi! Bon, alors, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ce n'est que le début. Le temps que je comprenne un peu comment il faut faire, ce sera passé un quart d'heure. Non, quand même pas. Je sais bien que je mets parfois du temps à trouver une solution qui est pourtant tout simple, mais voilà, quand même. Ouais. Faut pas exagérer non plus. Oui. Hey, ça va, alors là, il me voit pas, ok. Je veux bien écouter. Oh putain. Le P foireux. Non, il m'a eu. Oh non, il m'a eu. Bon, bah c'est pas grave. Est-ce qu'il a explosé au moins de l'explosion? Ah, on le voit pas s'il a explosé, mince. Ça aurait été un bon signe en plus. Oh, hop. Ah oui, c'est vrai, je l'avais. J'ai récupéré le P. Le bon P foireux. Oh, vite. On va y arriver, vous inquiétez pas. On va attendre un peu, on va essayer. Non, j'ai pas coup de CV parce que comme un con, je vais sans doute coup de CV et mourir. Ah non, non. Ah non, là il se prend le mur, non. Y'a que moi pour faire ce genre de conneries, c'est pas possible. Y'a que moi qui se prend les murs comme ça. Comme ça alors qu'il n'y a pas lieu de se prendre les murs, bon ok. D'accord, c'est pas grave, c'est noté. Ouhou. Je suis juste devant sa gueule, il ne me capte pas. Bon. J'avoue, j'ai... Non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Oh, hey, attendez, j'ai bien une petite idée. Putain, je suis mort. Je suis mort. Hihi, youpi. Je suis content, ouais. Non, je ne touche à rien à chaque fois que je meurs. Si je touchais 1€ par mort... Ah, pour mentir, bien sûr. Parce qu'il y a eu des suicides quand même. Il y a eu quelques suicides. Donc ce serait quand même... Ah, putain. Mais quel con aussi, franchement. Allez, voilà. Et là, il explose, quoi. Là, il explose. C'est vraiment... J'ai la bonne idée. Voilà. J'ai la bonne idée. Aïe. J'arrête pas de me prendre tout ce qui bouge, en fait. C'est assez bizarre. Mais j'ai trouvé la solution à mon problème. Salut. Donc voilà, maintenant on va vite. Hop, j'ai pris un peu de parole. Hop. Non. Je m'en doutais. Et bon, oh putain, l'explosion. Oh là 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 là. Vous verrez, en termes d'explosion, l'explosion finale est quand même assez spectaculaire. Alors là c'est le passage en force le plus... Non, c'est pas le plus épique. Hop, on va attendre qu'il tourne. Je crois qu'il va... Hop. Je l'ai fait tourner en bourrique. Et normalement... Ouais. Yes. J'ai trouvé la solution. Ah mince. Le problème c'est que je pense pas que je puisse... Ouais, attends, c'est pas possible. Enfin, si, on va le passer. Non. Non. Enfoiré. Non. Bon, est-ce que c'est possible de passer? J'avoue, je me le demande. Est-ce que c'est possible de passer là comme ça? Où est-ce qu'il... Donc, j'allais chercher plutôt un truc à une bière. Mais attendez. Y a rien là. Ok! La réponse à mon problème est en fait toute simple, toute conne. Mais comme au début, j'ai voulu chercher plus compliqué, et bah finalement j'ai quand même réussi, hein, donc c'est bien ce genre de problème où il y a plusieurs solutions possibles.
Bien que la solution que je choisis était loin d'être la plus simple. Il y avait largement plus facile. Mais bon, c'est la brasserie sous le storm, donc on se dit, bon, c'est pas... Ouh, léger lag. Donc on se dit, bon, c'est pas possible que ce soit aussi simple, quoi. Ou alors on fait pas attention, on se dit, ouais, là, il y a une sphère de sécurité. Et eh ben non, c'était vraiment un truc tout simple. Oh putain, j'y crois pas. J'y crois pas, le jeu. Cette situation où vous perdez bêtement du temps, c'est incroyable. Ouais. Ouais, maintenant, voilà, bon. Alors il y a une flèche qui descend et une flèche qui monte. Je suppose qu'il faut que j'aille dans la flèche qui descend. Hein. J'ai cru que ça y avait parce que je ne suis plus sûr de rien du coup. Ah salut. Merde, du coup je crois que... Ah bah non, ah bah non le slug. Hey, 231 évadé. Hein, hey. Je n'arrive pas au 250. Je sais pas mais ça m'étonnerait quand même. Hein, parce qu'il reste quelques... Il reste seulement quelques portes. Donc je pense pas que je puisse atteindre les 250 comme on m'avait proposé il y a bien longtemps avant de commencer ce let's play. Enfin, j'avais commencé ce let's play en fait. Et il m'avait proposé, donc je pouvais pas... Ah NON. J'étais foutu bien avant. Quelle connerie, j'ai encore foutu, j'y crois pas. Bon. Eh ben on va continuer hein, forcément. Donc là on va descendre tranquillement. Donc 231 évadés, 33 victimes, ouais, quand même 33 victimes, c'est assez énorme. Bon lui là c'est bon il veut pour venir NON. Putain j'ai cru que ça passerait pas quand même. Allez, bon, je voulais en fait avoir accès avoir mon envoûtement qui désenvoûte les fées. Enfin, qui fait péter les murs de compte, je vais y arriver. Salut. Ah, je te remercie pour te... Hop, voilà. Maintenant j'ai un halo jaune qui brille. Bon, je suis désolé. Alors... Vite. Oh non. Mais non. C'est pas punaise. C'est pas possible. Je vais bien y arriver. Je vais bien y arriver. Putain je suis à plus de 7 minutes déjà. Rien que pour ce niveau mon dieu. Pourtant c'est un niveau tout ce qui est plus facile hein. Y'a rien de compliqué là dedans. Voilà regardez pas. Simplement aller comme ça. Et voilà putain ça n'a rien de compliqué ce niveau. Il faut toujours que je cherche compliqué dans des livres simples. C'est pas possible. Ah, quick save. Ah, mais me perturbe l'autre en haut là. Enfoiré. Putain. Et ben voilà. Eh, au pied les mecs. Voilà. Mais il me perturbait l'autre là en haut à faire ses coups bizarres. Vas-y, 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 va le bouger. Attends, par ici. Voilà, on explose le slig. Oh là là, quelle horreur. Oh quelle horreur. Allez. Eh non, tu ne peux pas m'atteindre. Tu l'as dans le... Je ne dirai pas la fin de ma phrase, même si vous l'avez deviné, évidemment. Alors, on tourne ce gentil... Cette petite vanne. Aïe, mais ça c'est... J'arrête pas de me prendre des murs, c'est pas possible. Allez. Voilà. PPP, voilà. Je vous en prie. Suivez-moi maintenant, les mecs. Ok. Ça va donc faire 233. Des 33. Ah ouais, des 33 pour les victimes aussi, ouais. Alors, 233, le principal c'est que le style là, donc j'ai un peu perdu tout le save. Parce que j'avoue que j'ai quand même peur qu'il me vienne. Aïe 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 aïe. Et bah non, en fait c'est nickel, voilà. C'est nickel. Bon, je vais reprendre un pour la route au cas où, hein. On sait jamais un peu tout. Même s'il n'y a plus de mule rail. Même s'il n'y a plus de mule con, voilà, quoi, c'est l'histoire d'un varin d'avance, même si évidemment je suppose que
Ça ne marchera plus une fois sorti de cette zone, évidemment, hein. Bande de méchants développeurs. Alors, putain... bye bye les mecs, voilà. Et on y go, bye bye. Et voilà, je vais terminer la troisième zone. Donc nous allons maintenant entrer dans le l'avant-dernier Zulag de ce truc. Oh punaise. Le truc c'est 8 000... Oh, hey, 8 000 de points sauvés quand même. 8 000 de points sauvés, mais c'est absolument pas... C'est absolument... Oh putain. Je savais que j'allais devoir y passer. Ben, c'est le moment où je pense que ça va être casse-couille. Aïe. Ça y est, ça commence. Mais allez, non, oh, 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 voilà. Voilà. On passe, voilà. Maintenant, yeah. Si vous voulez bien passer, voilà, tranquillement, maintenant que fixé, ils sont tous passés. Attends, faut pas que je passe électrocuté. Hein. J'ai peur. C'est... Oh ouais, c'est bon. Wouhou, yes. Bon, une nouvelle zone de porte. Putain, ça c'est les pires. Les... Aïe, les zones de porte, y'a rien de pire. Y'a vraiment rien de pire. Putain, j'ai plus de pousser derrière. Oh là là, mais vous êtes chiants les mecs, allez, voilà. Ah non. Allez. On va nous, voilà. Ah mais non. Wow. Oh putain, génial, maintenant je m'enferme. Voilà, on rouvre les portes. On rouvre les portes, s'il vous plaît. Bande de boulets. Oh, si, allez, on y va un par un en fait, hein. D'accord, ok. Voilà. Dans ces moments-là, vous avez tellement envie de leur foutre des baffes que... Si on a un qui meurt, franchement, il va pas me manquer. Allez, punaise! Oh là 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 là! Putain. Qu'est-ce qui se passe? Voilà! Non! Voilà! Quick save! Pas possible. Non! Enfoiré, il a marché sur la dalle. Punaise, j'y crois pas. Bon, fallait bien que ça arrive, hein. Fallait bien que ça arrive, surtout à moi. Si je faisais ce truc sans mourir, ça aurait été quand même un infime exploit. Hihi, c'était chaud. C'est pas ça. Putain, vous faites chier. C'est pas possible, franchement, c'est pas possible d'avoir ce genre de zone. Qui a osé? Qui a eu l'idée de faire ce putain de niveau? Il aurait vraiment dû en faire en faire davantage, parce que là ça aurait été vraiment la maison de fou. Je sais pas si vous avez déjà regardé les 12 travaux d'Astérix, le dessin animé, où en fait il y a le petit Astérix Obélix forcément, qui vont dans une maison de la maison des fous, je crois, la maison qui rend fou, voilà. Ils vont dans la maison qui est en fou, ils doivent le laisser passer à 37, je crois, le 37, vraiment. Et ils galéraient à trouver, allez au guichet A, allez au guichet 2, machin, et à chaque fois, chaque guichet se trouve à un étage différent, donc voilà, c'est la maison qui rend fou. Donc là, c'est un peu la même chose, j'avoue, c'est un peu la même chose. Et c'est passablement agaçant. Ah bon, voilà, c'est parfait, ah voilà. Maintenant on va leur filer une bonne claque, parce que là je vous avoue j'en meurs d'envie, hein, voilà. Une bonne claque, bien comme il faut, bien senti, voilà. Il est où? Il arrive pas à le voir en plus ce con là. Voilà. Bon, maintenant tu bouges plus. Voilà. Ok. Regarde mon coin. Non, restez ici s'il vous plaît quand même. Oh, aïe. Putain, j'arrive à faire le débile. Voilà. Donc maintenant on va tranquillement jusque là-bas, histoire de voir un peu. Et ça c'est un mur. Je vous l'ai dit, j'aime bien se prendre des murs. Non, je dis pas moi, parce que c'est pas moi, c'est Abe qui les prend les murs, c'est pas moi. Apparemment il n'y a plus personne, donc c'est nickel. Ah, pour fermer une porte, mais bon, c'est pas encore trop grave quoi.
Et en même temps, je vois que je vais passer le quart d'heure, mais bon, c'est pas encore trop tard, hein, vu que je vais pas mettre des vidéos maintenant de plus d'un quart d'heure. Donc j'en profite, mais bon, je ne veux pas non plus être. Faire des vidéos beaucoup trop longues. Ça serait vraiment. Faudrait vraiment que vous trouviez le temps. Et ben voilà, il y a encore 3 employés dans une lac. Donc c'est-à-dire qu'il y a un passage secret. Donc voilà, j'ai récupéré le machin. Je tourne gentiment le levier, s'il te plaît. 238 pour consoler. Hop, je vais descendre ici. Et je vous dis. Bye bye.